Good morning, allez, yiden, tiskule shanim rabot, nimot vetuvot. L'étude aujourd'hui le nishmat, mon rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, nissim ben Ahuda, Sarah ben Rav, Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo nissim ben Zara, ainsi que les refouat, Sarah, bat Beti, Rivka, betor Shar, Cholei Israël. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Masechet, Menachot, Perekret, Mishnah Gimel. Tkoa, Alpha, la Shemen, Abba Shaul Omer, Shniala. Regev be'ever ha'yarden. Kol ha'aratzot hayu k'sherot. Ela mikan hayu mevi'in. En mevin lo mi'bet ha'zvalim, ve'lo mi'bet ha'shlachin, ve'lo mi'ma sh'nizra b'neyem. Ve'i mevi k'asher. En mevi'in anpiknon, ve'i mevi pasul. En mevi'in min ha'gargirim sh'nashru b'mayim, sh'nishru b'mayim, ve'lo min ha'kvushim, ve'lo min ha'shlukim, ve'i mevi pasul. Bon, même principe que la Mishnah précédente, sauf que dans la Mishnah précédente, on a parlé de blé. À présent, on parle d'huile. D'où apporter l'huile et quel type de qualité on va devoir apporter. Du coup, dans la prochaine Mishnah, on en parlera encore un peu plus profondément. On verra comment ça se passe dans l'arbre, quelles espèces d'olives exactement. Pour le moment, Tkoa Alpha Lachemen. Il y a une ville de Tkoa, je ne sais pas où c'est. Une ville de Tkoa, en tout cas, qui est Alpha Lachemen. Vous vous rappelez le mot Alpha? Comme dans la mission précédente, alpha comme la aleph, soug aleph aleph, la meilleure qualité, d'accord, qualité A, comme en grec, alpha en arabe, en grec en fait. Donc, Al-Tkoa, c'est la meilleure, l'origine, la meilleure ville de laquelle on peut apporter l'huile. Il y a une huile de bonne qualité spécialement. Abba Shaul Omer, Shniala Regev Be'ever Yarden. Abba Shaul vient nous dire, tu sais, dans le deuxième choix, si toutefois tu ne réussis pas d'amener de Tkoa, c'est trop loin, eh ben tu prendras de Regev qui se trouve dans l'autre côté du Jourdain. D'accord? On continue. Kol ha'aratzot hayu k'sherot, et la mikan hayu mevi'in. En réalité, toutes les terres étaient k'sherot. De partout tu peux apporter ton huile si tu veux. Sauf que, et la mikan hayu mevi'in, on préférait les apporter là-bas parce que l'huile elle était plus riche, plus... ouais. Concrètement. Ensuite, en mevin lo mi bet azvalim, velo mi bet ashlachin, velo mi ma shenizra benehem. Trois instructions quand même dans la Mishnah précédente. On n'apportera pas de l'huile, des olives, lo mi bet azvalim, ni d'un champ dans lequel il faut lui donner des engrais, velo mi bet ashlachim, et ni d'un champ qu'il faut arroser fréquemment, une terre qui est très assoiffé ou qu'il faut abreuver tout le temps, velo mima shenizra benehem, et ni d'un champ dans lequel on a planté du blé par exemple, on a mis des zraïm entre les oliviers. On explique un petit peu mieux, c'est vraiment comme le même principe que la Mishnah précédente, dans la mesure où deux interprétations sur le bet azvalim, une terre dans laquelle il faut faire pousser en mettant des engrais. Donc, ça veut dire que... Alors, il y a deux raisons qui étaient évoquées là-bas. Soit, on craint que peut-être que le travail était mal fait, donc on n'a pas mis les engrais, du coup, l'huile, elle va être de moins bonne qualité, elle va être moins riche, moins parfumée. Ou, deuxième interprétation, simplement le fait de mettre les engrais fait que les fruits qui sortent, ils sortent certes gros, mais ils perdent leur saveur, donc l'huile, elle va être moins... Elle va avoir un moins bon goût, un goût d'huile moins riche, moins savoureux. Idem encore, si c'est Beth Ashlachim, un champ qu'il faut arroser, abreuver beaucoup, qu'il faut arroser fréquemment, alors on craint qu'il ne va pas arroser assez, ou bien que les fruits qui vont pousser ils vont être moins bons aussi. Et idem encore sur le Mima Shenizra Benehem, il faut savoir, on a déjà évoqué le principe, c'est très fréquent dans la Torah, on en parle fréquemment, dans Kilaim surtout, quoi, que chaque chose que l'on plante dans la terre puise des forces de la terre, et donc empiète, dérange, entrave au développement des autres espèces. Donc de ce fait, dans la Mishnah précédente, on avait vu que s'il y a des arbres à proximité du champ de blé, et ben le blé il va être moins riche, et ben idem aussi s'il y a du blé à proximité des arbres, des oliviers en l'occurrence, et bien les olives qui vont sortir vont être moins savoureuses. D'accord? Malgré tout, malgré ces trois restrictions, Veimevi Kacher, s'il a apporté, finalement, c'est quand même Kacher, parce que c'est quand même de l'huile. Par contre, En Mevin Anpiknon,
Veimevi pasoul. Anpiknon, c'est une sorte d'huile que l'on fait avec les olives qui n'ont pas atteint le tiers de leur maturité. Dès qu'elles commencent à pousser, on les cueille tout de suite, on fait sortir de là-bas une huile. C'est une huile spéciale. Et il s'avère que cette huile, elle est particulièrement amère. Et elle est invalidée pour les oblations d'huile. Quand il y a besoin de verser de l'huile, ou bien même pour le ménachot. Il faut manger de l'huile là-bas. Alors, c'est pas une huile, elle n'est pas validée comme une huile kshira. D'accord ? On continue. En mevin mina gargirim chez nishuru bamaim. Trois instructions qui ont le même principe. Je traduis d'abord. On ne rapportera pas des grains que l'on a laissés, trempés dans l'eau longtemps. Velo mina gvushim, ni de ceux que l'on a fait en kavush. Comment ça se traduit le mot kavush ? C'est comme les variantes, vous savez, quand on laisse tremper, macérer. Ni avec des olives qui ont macéré, même si c'est que dans l'huile, dans l'eau même. Velo mina shlukin, et ni dans des olives que l'on a fait. Alors, chalouk, ça s'est discuté. En général, chalouk, ça veut dire que ça a été cuit avec de l'eau bouillante. On a laissé tremper dans l'eau bouillante. C'est-à-dire, en fait, le principe de la Mishnah, cette Mishnah vient et me dit, tu sais quoi, ce sont trois procédés pour faire que l'huile va donner, que l'olive va donner plus d'huile. On la laisse soit tremper dans l'eau, soit on la laisse macérer longtemps, ou soit encore on va la faire cuire. J'imagine que l'huile, elle va, si l'huile n'était pas assez mûre, par exemple, elle était trop dure, alors elle va un petit peu se remplir d'eau, et puis après, quand on va presser le tout, alors on va récupérer plus de jus, et quelque part, ça peut être considéré comme une huile. C'est probablement grasse qui rend ce qui en sort. Malgré tout, la Mishnah vient me dit, sache qu'en guise d'huile pour les ménachot, malgré tout, c'est invalidé, c'est un pas statut d'huile. D'accord ? Alors, Barthélemy rapporte pour le premier, uniquement, des olives que l'on a fait macérer dans l'eau. La raison, elle est parce que chez Amaïm et Kalkilin et Tachemen, l'eau, elle va casser, elle va abîmer l'huile. On dirait qu'en fait, non, ce que tu vas récupérer, ça va être de l'huile, mais de l'huile qui aura perdu sa saveur, à cause de l'eau qui est rentrée initialement. Et donc, c'est pour ça que Vim et Vim Pasoul, si il a apporté malgré tout de ces huiles-là, eh ben, elle sera invalidée. C'est pas bon du tout. C'est-à-dire, si on récapitule la Mishnah, en fait, on a eu trois chumrot qui ont été apportées. Trois parties qui ont été rapportées sur la qualité de l'huile. La première qualité, c'était d'abord sur le champ d'apporter, certes, le meilleur des champs, mais a posteriori, c'est encore bon, même si on a mis des engrais, et même si c'est un champ qui est très assoiffé, qu'il faut arroser beaucoup, tout ça c'est encore cachère. Mais dès qu'on a fait commencé à faire de l'huile avec un tiers, qui n'a pas encore atteint le tiers de la maturité, alors là c'est invalidé. Et idem encore si c'est des olives que tu as dû faire macérer ou cuire un petit peu même. Pour tous ces cas-là, ce sera l'huile, elle sera invalidée pour le ménachot, pour tout ce qu'on a besoin de l'huile au Beit HaMikdash, peut-être qu'on va voir dans la prochaine Mishnah, Bezrat Hashem. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, Selah.